La dépollution à l'interface rural-urbain, nous allons voir comment l'ingénierie écologique peut rendre des services au niveau de la qualité de l'eau au milieu rural. Nous nous basons sur les services écosystémiques de régulation des flux afin de restaurer les fonctionnalités des bassins versants, fonctionnalités qui vont être privilégiées par l'exposé. Dans le contexte, nous avons une agriculture qui a fortement évolué entre le début du XXe siècle, qui était plutôt basée sur une agriculture vivrière, jusqu'à la fin du XXe siècle, où les objectifs de rendement agricole, de productivité, étaient des objectifs politiques avérés. Et pour cela, le paysage a été fortement modifié en éliminant tous les éléments du paysage qui étaient indispensables à la rétention des contaminants. Donc le défi d'aujourd'hui est de restaurer cette fonctionnalité perdue afin d'équilibrer les fonctions de production et les fonctions d'élimination des contaminants à l'échelle des bassins versants. L'agriculture contribue à la dégradation de la qualité de l'eau. La gestion de la pollution diffuse est un objectif premier des politiques publiques afin de préserver la qualité écologique des milieux aquatiques. D'un côté, nous avons les agriculteurs qui utilisent des intrants, que ce soit les pesticides ou les fertilisants d'origine azotée ou phosphorée. Donc, depuis l'application pour des fonctions agronomiques, nous avons le fonctionnement hydrologique du bassin versant qui se constitue en trois parties, notamment le ruissellement de surface qui nécessite des gestions à la parcelle, mais aussi le drainage agricole qui va entraîner les contaminants depuis les parcelles agricoles jusqu'au milieu récepteur. Face à ça, des objectifs de remédiation à partir des éléments du paysage comme les zones tampons peuvent servir à dépolluer l'eau agricole en mimant les services écosystémiques liés aux éléments naturels du paysage. Les zones tampons sont des interfaces naturelles entre parcelles agricoles de production et le milieu aquatique. Nous avons les bandes enherbées qui sont réglementaires, qui permettent de réduire le ruissellement depuis les parcelles agricoles. Nous avons les haies et les talus qui permettent de limiter la dérive et aussi le ruissellement de surface. Nous avons les zones boisées, les ripisylves qui peuvent aussi contribuer à réduire les écoulements de surface et de subsurface. Et enfin, les zones tampons qui sont dites humides, comme les mares ou les plans d'eau, qui peuvent accueillir des eaux chenalisées ou canalisées hydrauliquement, comme les écoulements de subsurface ou le drainage agricole. En termes de processus épuratoire, le cycle de l'azote est complexe, mais nous privilégions deux processus principaux, que sont le prélèvement par les plantes, avec une élimination qui est estimée entre 5 à 10% sur une période courte de production végétale, et puis le processus de dénitrification, qui est une consommation par les micro-organismes des nitrates, qui permet d'éliminer jusqu'à 90% de la pollution azotée. Ces processus-là sont très variables dans le temps, ils dépendent de nombreux facteurs. Le processus de dénitrification permet de transformer les nitrates en diazote, un gaz inerte de l'atmosphère, mais une étape intermédiaire est aussi la production de protoxyde d'azote, le N2O, qui est un puissant gaz à effet de serre. Nos études récentes montrent que moins de 0,01% de la quantité dénitrifiée produit du N2O. C'est assez faible, mais ces résultats-là demandent à être confortés par des études ultérieures. Les deux principaux moteurs de la dénitrification sont le temps de résidence, c'est-à-dire le temps de contact entre l'eau et le sédiment pour laisser le temps aux micro-organismes de dénitrifier l'azote présente, et puis la température, où on voit sur le graphique que la température joue un rôle important dans le processus de dénitrification, ici appelé removal rate, qui varie entre des valeurs assez faible pendant l'hiver et des valeurs très importantes pendant l'été. Une valeur seuil de 15 degrés a été retenue en étant l'optimale de dénitrification. Le cycle des pesticides est encore plus complexe du nombre de pesticides utilisés par les agriculteurs. Le temps de résidence est aussi un facteur principal, mais nous avons aussi les processus biotiques que sont la dégradation par les micro-organismes et les processus abiotiques que sont les processus physiques et chimiques. En termes de processus physiques, nous avons l'adsorption, qui est un principal processus qui permet de stocker 10 à 50% des pesticides qui sont interceptés. Nous avons aussi l'hydrolyse et la photolyse qui peuvent jouer un rôle mineur dans la rétention des pesticides. Enfin, la biodégradation par les micro-organismes a été évaluée entre 2 et 30% selon le type de molécule. Il est très variable et il peut s'intensifier en fonction de la saison hydrologique. En termes d'efficacité,
Les études d'IRSTEA ou les autres études rapportées dans la bibliographie montrent que pour l'azote, on est assez proche de 50% de dénitrification, de rétention de l'azote à l'échelle des zones tampons. Pour les pesticides, l'évaluation des études montre qu'on a une médiane aux environs de 50%, avec un écart type qui est aussi entre 0 et 100%, dû au grand nombre de molécules qui ont été étudiées et la grande variabilité des molécules. Donc c'est un potentiel qui est réel et limité, et ce n'est pas un permis de polluer, dans le sens où les zones tampons ne permettent pas de réduire à 100% les pollutions qui sortent des systèmes agricoles. En termes de conclusion, les zones tampons sont un exemple concret d'ingénierie écologique au service de la régulation des fonctions de régulation des flux. Il y a un potentiel réel mais limité pour retenir les polluants, qui est fortement variable selon l'année hydrologique et selon la température. Les résultats montrent qu'avec 1% des surfaces en terre agricole consacrées aux zones tampons, les transferts de polluants peuvent être réduits jusqu'à 50%, qui est un chiffre assez intéressant pour la qualité du milieu aquatique. Et en termes d'aménité, les zones tampons contribuent aussi à la reconquête de la biodiversité pour aller vers un objectif de paysage résilient.